vraiment. Est-ce que, je vous ai même pas demandé, est-ce que vous allez bien? Oui. Et voilà, j'en étais sûre. Non, je vais faire avec. Tant pis. Non, parce que moi, je préfère quand le public va mal. Voilà, c'est pour ça que je joue à Paris. On va vous mentir. Si on a un impact positif comme ça sur les gens, ça, moi, j'adore. Après, c'est un peu une déformation professionnelle. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai commencé le stand-up dans une ambulance. Donc, pour ça. Voilà. Parce que j'étais pompier. Oui, sinon, c'est bizarre. J'allais pas juste toquer au vide des ambulances. Genre, alors, par applaudissement, qui veut une perfusion? Non, ça serait chelou. Non, c'était mon vrai métier, en fait, avant. Et j'ai commencé ma carrière d'humoriste comme ça. Voilà, moi je faisais des blagues aux victimes sur le trajet pour aller aux urgences. C'est comme ça que je suis arrivée devant vous. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Tu sais que mine de rien, sur le trajet pour l'hôpital, t'as le temps de tester plein de blagues. Après, des fois c'est chiant parce que le public meurt à la fin. Il venait jamais voir mon spectacle, ces bâtards. Franchement, merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Je te jure. Franchement, je préfère vous, hein. Eux, c'est pas un public fiable, quoi. Non, tu peux pas savoir si le monsieur est mort de rire ou s'il est juste mort. C'est... Merde, t'as pas eu la chute, Michel, c'est chiant.